Merci à Avril pour ses momies explosives. Allons chercher ces fusées. Bonne idée. Les bouches qui ont médit de moi. J'ose pas imaginer ce qu'il accroche à son sapin. Je vois pas d'empreintes. On n'a pas dû prendre le même chemin que les autres. Alors on va voir si on peut les rattraper. Ça s'est battu dans le coin. Ouais, les hommes de Thieu contre ceux d'Avry. Excuse-moi. Salut. On dirait une clé. C'est quoi cette lettre ? C'est de Thieu pour ces hommes. Servir de cette clé pour sortir. Bonne nouvelle. Il y a des sortes de symboles derrière. Allez, faut trouver la serrure. Oh non. Merde. Tout va bien.
explosé, c'est ça, hein? Non? Et toi? Ce type faisait vraiment confiance à personne. Oh non, 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 non! Oula. Oh non, 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 non. Ça y est, c'est fini. Merci. Quand même nettement moins flippant que tous ces os qui pendouillent. Je veux bien, mais ça reste flippant. Peut-être un 3 sur une échelle de 10. Moi, je dirais 4. Ah bon, 4 ? Mm-hmm. Voilà encore un de ces pièges. Et cette fois, pas de traces pour nous guider. Ce sont les mêmes symboles que sur ces poteaux. Tu as expliqué à ces hommes comment passer les pièges. Voilà qui est encourageant. Marche dans mes pas, ok? Fais bien attention. Moi, je fais toujours attention. Dit-il, alors qu'il a fait exploser toutes les momies de cet endroit. Ouais, bah désolé si je manque un peu d'expérience avec les momies explosives.
Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, touche du bois. Vaut mieux pas, il est peut-être piégé. Ouais, c'est vrai. Voilà, on a réussi. Dans les dents, Avery. Tiens, voilà notre sortie. Oh, bon, c'est les restes des hommes de Chu? Sûrement. Avery adorait montrer l'exemple en punissant ses ennemis. Une chose est sûre, il adorait faire exploser des momies. Il va falloir qu'on avance à petits pas maintenant. Une serrure. Une clé. Attends, c'est peut-être un piège. C'est pas comme si on avait d'autres options. Super. Mais j'ai un bon pressentiment cette fois. J'y vais? Vas-y. Ok. Tu vois? Explosé en morceaux. T'aurais pas un couteau sur toi par hasard? Non. Oh, mais le type qui est là a une épée. Allez, aide-moi à faire balancer ce truc. Allez!
Merci, Capitaine Avery. Comme au bon vieux temps, hein. Elena? Elena? Hé! Hé! Elena, allez! Elena! Mon héros. T'as quand même pas osé faire ça? Non! Et ça te fait rigoler! Oh. Allez, t'exagères! T'as déjà fait mille fois pire que ça! Oh, c'est pas vrai, encore un peu, je faisais une crise cardiaque! Oh, attends, je vérifie. Je crois bien que tu vas survivre. Je vais te dire un truc. Après ça, on est quitte pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et j'ai bien dit tout. Non, on est loin du compte. On t'a de la boue partout, mon pauvre chéri. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais une drôle de conception du romantisme? Ouais, je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. Bien parlé. Bien parlé. C'est sûrement Sam. Viens. S'il y a des coups de feu, c'est qu'il est encore en vie. Du moins pour l'instant. Est-ce que c'est un galion? Ben, en tout cas, ça y ressemble. Descendre par là. Ça a l'air à peu près sûr. Ouais, aussi sûr que tout le reste sur cette île. Super, on se rapproche. Oh, regarde, c'est Sam. Il est encerclé. Ouais. Allez, faut qu'on sorte de là. Il faut que j'arrive à atteindre la plage.
atteindre la plage. Nate! Mets-toi à couvert, vite! J'arrive à atteindre la plage. Mets-toi à couvert, vite! Couvert, vite!
pas vrai! Recule, Nate! Thank you.
contourne leur position. Thank you.
gueule du navire. Thank you.
Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Ouais. Restons pas sur cette plage 10 minutes de plus. Ouais, t'as raison. Vous avez mon briquet ? Cible facile ici. Faut qu'on se débarrasse de ce contre-roquette. C'est pas l'aise. On peut s'y mettre à l'abri.
voilà nos amis.
vrai, mais t'en entends combien les chats? Merci pour le coup de main. Viens par ici, je vais te sortir de là. Je veux bien. Je suis content de te voir. T'arrives pile poil au bon moment. Ah, tu sais, pour rôder dans le coin, c'est pas très bon pour les nerfs. Ouais, mais faut d'abord qu'on retrouve Sam et Elena. Oh. Est-ce que tout va bien? Ouais. Avec toutes ces explosions, on a cru que... Il sait pas être discret. Tu lui as encore sauvé la peau? Comme d'habitude. Et toi, ça va? Ça va. On l'a échappé belle à plusieurs reprises, mais...
Il a pris soin de moi. Hé. Hey. Ça va? C'est quoi ça? Ça? Une balle qui m'a effleuré. Ah. Et toi? Une falaise qui m'a effleuré. Ouais. Comment t'as semé Raif? Oh, il a fait tomber son équipe droit dans l'un des pièges d'Avry. Malin. Tu sais, à propos de cette histoire avec Alcazar, là... Qu'on parle de tout ça plus tard. Où on va? Sur la plage, de l'autre côté de la ville. Ok. Avec tout ce remue-ménage, j'espère qu'on n'a pas attiré l'attention. J'espère. Ouais. Attendez, vous faites quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? On dégage de ce putain de caillou? Ok, ça c'est la première option. La deuxième serait d'aller dans cette direction, pour arriver plus vite. Mais arriver où ça? Bah, au trésor d'Avry. Écoutez, Raif va devoir faire tout le tour. Alors qu'on s'en fout de Raif. Hé, Victor, avec tout le respect que je te dois, tu sais vraiment pas quand t'arrêter, c'est dingue ça. On est tous venus dans le même but, non? Hein? Non, nous on n'a pas fait tout ce chemin pour le trésor, on l'a fait pour toi. Et je vous en suis reconnaissant, très sincèrement. Mais on assure. En plus, on a une longueur d'avance. Enfin, pour l'instant. On peut y arriver. Nathan, allez. Hein? C'est évident. En fait, Avry a réussi à saborder tous les bateaux présents sur cette île. Et pourquoi? Parce que ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était garder son trésor. Exactement. Quel qu'en soit le prix à payer pour son entourage. Parce qu'il voulait surtout éviter d'être suivi. Parce qu'il voulait s'en aller. Regardez ça. Bon. J'ai découvert sa propre carte de l'île. Ok? Là, c'est son navire. Juste ici, sous cette montagne. C'est là que se trouve le trésor. Et c'est vers cet endroit qu'est en train de se diriger Raif, pendant que nous, on perd du temps à se disputer bêtement. Ouais, et si il avait déjà quitté l'île, et que son bateau est coulé quelque part au milieu de l'océan? Eh ben, dans ce cas, on trouvera où il a coulé. Oh, de Dieu. Ça fait combien de temps qu'on est après ce truc? Toi et moi. Sans vouloir vexer nos amis. Ils comprennent pas. En fait, si, ils comprennent. Ils savent ce que c'est. Ok. C'est pas la première fois qu'ils voient ce genre d'obsession chez quelqu'un. Tu sais, on n'est plus des gosses maintenant. C'est fini. Et on n'a plus rien à prouver à personne. Où est l'avion, Victor? Il est par là. Est-ce que c'est loin d'ici? Pas trop. Après cette ville portuaire. Si les gars de Shoreline nous tendent une embuscade à l'avion. Ça n'arrivera pas. Comment tu peux en être si sûr? Parce que eux, ils se dirigent vers la montagne. Pour le trésor. Par là. La voilà. Ça fait une sacrée descente. Comment t'es arrivé là? Je suis descendu en sautant sur ces murs, mais... Je crois qu'on va devoir trouver un autre passage. Bon, j'ai sauté de là-haut, mais c'est trop haut pour remonter. Ouais. On pourrait peut-être mettre quelque chose dessous. Tu m'aides, Sam? J'arrive. Je
on se débrouille. Quelqu'un a trouvé une sortie ? Hé, regardez par ici. Oh, regardez-moi ça. On dirait un genre de téléphérique. Tu crois qu'il marche encore ? Pas de commande, mais je parie que je pourrais tirer la plateforme avec ma corde. Il faudrait que t'arrives à atteindre cette plateforme en bois là-bas. Mais qu'est-ce que tu fous, petit ? Je sais pas trop encore. J'ai vraiment hâte de retrouver mon petit frère. Si proche et pourtant si loin. Je crois que j'ai une idée. Nathan, tu viens m'aider ? Ok. Ok, Victor, je peux te demander ton aide ? Bien sûr. Allez, vas-y, Nathan. Voilà, nous on tient, toi tu dois sauter. Je suis passé ! Tire-nous ! J'aime pas trop être sur ce truc. T'as oublié le mot magique ? Maintenant ! Eh bah, cette bande de pirates était une sacrée ingénieur. Si c'est arrivé, tu vas dû voir les ascenseurs. Quoi ? Oh ! Passez-vous ! Tout le monde va bien ? Ça va. C'est un peu comme des montagnes russes. Tu nous rejoins, Nathan ? Allez, Nathan, tu grimpes et je t'attrape. Allez, on n'a pas toute la journée. Hey, donne-moi ta main. Sam ! Quel sale enfoiré ! Sam, viens ! Hein ? Ok. Vas-y, saute, je te rattrape! Allez! Non. Non, arrête, n'y pense même pas, Sam. Tu m'entends? Désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Tous les trois. Écoute, tout ça n'a plus d'importance maintenant. Alors saute! Je peux pas abandonner si près du but. Sam. Hé, je te préviens, Sam, si tu fais ça, je viendrai pas te chercher!
T'as compris? Je suis désolé. Sam! Sam! T'es-tu, stupide? Il t'a pris au mot. Il court tout droit dans la gueule du loup. Allez. Ouais, ouais. Sûrement raison. Évidemment qu'il a raison. Allez, on y va.